Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la Confédération de l'Allemagne du Nord. On a pour objectif de fonder la Grande Allemagne. Voilà. On n'est pas trop loin pour cela, il nous manque juste, entre guillemets juste, à bien augmenter nos relations avec l'Autriche, mais qui nous ont encore déclarés comme rivaux. Et hélas, vu qu'on est comme rivaux, nos relations mettent du temps à augmenter. Donc j'ai beau améliorer les relations, je ne peux pas faire plus tant qu'on ne sera pas à moins 19, donc tant qu'on ne sera pas neutre. Hélas. J'aimerais bien aussi changer ça pour avoir multiculturalisme. Je vais en avoir besoin. Mais bah, ça va pas l'air au goût de tout le monde. Hélas. Au niveau obligation, j'ai de la Grande-Bretagne, je suis en train d'essayer d'en avoir une de l'Espagne, j'en ai une de la Russie. Et si jamais la France vient se mêler de ça, on lui prendra l'Alsace-Lorraine. Voilà, histoire d'avoir la vraie Allemagne. La grosse Allemagne, hein, vraiment, là c'est ouf. Et le but après, bien évidemment, ce sera de bien poser ses marques en Europe, peut-être hop, partir sur l'Empire Ottoman, même certainement partir sur l'Empire Ottoman, très probablement en Italie aussi, les Pays-Bas, la Belgique, peut-être le Danemark, mais pas, ce sera pas une priorité. Ouais, tout ce qui est Moldavie, la Chine, Serbie, etc. La Suisse, on va peut-être les laisser tranquille. Ah, l'Oldenbourg soutient désormais la Confédération de l'Allemagne du Nord. Donc on va cesser de les financer. Et là, les gars, il ne nous reste vraiment plus que l'Autriche. Bon, les Alsace-Lorraine, mais bon, ça c'est... voilà. Donc ça, je suis bien content. Industriels sont des. Nous avons besoin de tout le monde pour bâtir l'avenir, voilà. Ah, eux, ils ont du mal à monter. Hein. Je vais voir si je peux leur donner un petit coup de pouce au niveau des bâtiments. Ah, on est en église d'État, mais non, église libre, laïque. Laïque. Eh ouais, ça va m'aider, ça. Zut, j'avais pas fait attention. On est bien côté au ouais, par le gouvernement, machin. Ok. Usine de textile, hop. On va faire ça. Est-ce que je passe un lampadaire à gaz? Ça serait cher, je pense, mais... mais ça me crée des ingénieurs, des ouvriers, ça me crée, enfin ça me ferait un petit peu plus d'argent. C'est une bonne question, je suis à combien en charbon? Parce que là il m'en faudra beaucoup par contre. Je suis à ouais, un prix qui est à plus de 7% sur le marché, donc j'en ai pas non plus trop. On va pas le faire de suite. Surtout que je suis en déche de plomb. Vraiment une grosse déche de plomb. Ok, on a moins 49. Ah, voilà qui me plaît. Bon, l'église évangélique sera pas content. Bon, fou, rien à foutre. La petite bourgeoisie non plus. Eux, ça va, ils sont pas très présents. Sont à 4,6%. Donc on va se tenter l'exclusion culturelle. On va se tenter ça. Ouch. Ouf. Oh bah il y a encore l'Égypte qui est en train de rouler sur l'Empire ottoman. J'avais pas vu. Ouais, qui roule bien. Hein. On est cinquième, on est redescendu un peu, c'est pas très grave.
très très vite remonté quand on aura pris du territoire. Alors, non, en fait, on va baisser un peu et puis on va remonter. Enfin, on va être très haut, on va très vite baisser et on va remonter. Vous allez voir. Effectivement, là, dit comme ça a l'air un peu compliqué. Mais vous n'en faites pas, je vais tout vous expliquer. C'est marrant, ça suffit que je dise que l'Égypte est en train de rouler sur l'Empire Ottoman pour que l'inverse se passe. Je sais pas si vous avez vu, mais au niveau des territoires conquis, là, elle est en train de tout perdre là. Je sais pas ce qu'il a foutu, mais. André, j'ai annulé ça. Ok. Alors c'est bien, elle commerce un peu avec moi déjà l'Autriche. C'est. Il y a du mieux. Alors, je suppose qu'on est toujours. Elle nous considère toujours comme rival. Ouais. Pas bien grave. Allez les gars, exclusion culturelle. On préfère ça à la suprématie nationale. Enfin, du moins dans le jeu. Après, chacun son avis. Je veux pas savoir. Mais non, encore les munitions, elles sont coûteuses. Vache. Ah ouais, on m'en apporte pas mal en fait. Ouais, c'est ça en fait, j'en produis un peu plus, mais on m'en apporte beaucoup. Enfin, on exporte beaucoup, enfin, on m'en prend beaucoup. Ouais. Ville d'Amondaransbrandebourg, non. De Rhénanie de Nord-Westphalie. Ok, bah, qu'il fasse la fête. Ça va m'augmenter mes loyalistes. Au niveau du budget, il me faudrait combien d'argent? 38 000. Ouais. Est-ce que je peux améliorer une unité spécifique, enfin un groupe spécifique? Il n'y a même pas les industriels. Ah si, ils sont là. Ouais. En vrai, il y a. Bah non, mais c'est bon en fait, vu que là, la loi elle est en train de passer. Ouais, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Pour l'instant, j'ai pas besoin de trop faire bouger le schmilblick, comme on appelle ça. Faut juste pas qu'il fasse la Scandinavie. Tiens, je fais une petite sauvegarde pour le let's play narratif. Hop, ça doit être la troisième. Passionnant. Plus 15% de probabilité de promulgation, okay, c'est bien. On a gagné l'aménagement du terrain sans rien rechercher, c'est cool. Afrique du Sud révolutionnaire, diffusion de drainage. Ok, là c'est long hein, quand même. Ah, ça demande la quinine, je suis à peu près sûr, non, c'est pas ça. Non, même pas. Ah, non, c'était pas sur le territoire. Ah ouais, il y a le paludisme. Ouais, c'est pour ça. On fera les recherches nécessaires. Outils chers. Ah. Où est-ce que je fais mes outils, moi? En Rhénanie. Ou en S. Ouais, on va faire ça en S. Allez les gars, on y croit, comme ils disent les autres. On est à 45 là encore, purée, il faut que j'arrive à moins 19 quoi. On a encore 25 à faire. Hein. Ouais, là. C'est, on n'est pas sorti de l'eau, on n'est pas sorti de la berge, hein, comme on dit. On a une nitroglycérine. Là je vois qu'au niveau des explosifs c'est cher et va pas falloir que ça reste cher. Parce que on va partir sur la dynamite. Ça va grandement nous améliorer notre production, enfin nos productions au niveau de nos mines. C'est une technologie que j'affectionne particulièrement. Je dois sûrement pas être la seule. La seule? Le seul? Le seul. Oui, c'est pas la technologie. Oui. Effectivement. Ça doit pas être le seul.
Talentueux, talent à n'ouvrir. En cas de refus, Hanovre nous offre un mec qui est détesté. Ah ouais, c'est un talent, ouais, c'est clair. Sectaire. C'est pas spécialement que j'appelle un, ce que j'appelle un talent, un sectaire. Probabilité de boue. Elle va accepter parce que si je refuse, ça détériore nos relations de vin. Mais c'est chiant. J'en ai vraiment pas besoin. C'est pas grave. Continuer d'améliorer nos relations, c'est dommage, je peux pas les financer. D'ailleurs, comment ça se fait que j'ai si peu? Ouais, j'améliore, ça me coûte 300, quelques accords commerciaux. Ouais, pacte défensif, ouais. Attends, j'ai mis un goût. Petite bourgeoisie, xénophobie. Allez, salaud. C'est ça qui me met mal aussi. Ça m'en retire un bon paquet. Allez, bon. Là, c'est bon. Là, ça. Ça se fera. En Silésie, par contre, il me semble pas que j'en avais prévu. Hop là. Les outils sont chers. Ah purée, le 4 mars. Attends, du 4 mars, on passe au combien là? Mars, entre avril, ouais, c'est un mois et demi. Un gros mois et demi pour un. De relation, c'est pas des masses. Ah sérieux, à 73% ça passe pas là? Oula, les ruraux. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est pas grave, les ruraux, vous allez vous calmer un coup quand même. Parce que là, vous êtes déjà à 15%. Ça serait un petit peu trop gros, hein, trop élevé. Allez, on va diminuer, je pense, les impôts. On peut. On a combien de réserves d'or? On a ce qu'il faut. Ah, on va faire ça dans les états actuels. Hein. Allez. On va contenter un peu les élites intellectuelles. Voilà, ils vont être joyeux, gnagnagna. Et on va baisser les impôts. Voilà. Là, je vais pas pouvoir faire grand chose d'autre pour diminuer le nombre de radicaux. Le Brunswick, on va accepter le pacte défensif. Ils sont où le Brunswick? Je sais plus. On a partout. C'est pas eux là? Ils sont pas planqués derrière? Ouais, ils sont planqués derrière. Je me ferai pas avoir deux fois. Enfin, pas de suite. au niveau du plomb. Le plomb, c'est bon, il est redevenu à un prix raisonnable. Les explosifs, ça va être fait. Les outils, ça va être fait. Le verre, non mais. Non mais, ouais, non, je crois que le verre, c'est. Quoi? Attends, ouais. En sac, c'est en Brandebourg. C'est quoi, c'est le temps. J'étais en pénurie, c'est ça? Non, même pas? Attends, j'en produis du verre quand même, là. J'ai augmenté les technologies exprès. J'en exporte? Ah ouais, regardez. Ah, j'en exporte 500, c'est pour ça qu'il est cher. Explosif, pareil, j'en exporte un paquet. Ça, c'est pareil. Ça. Wow! 500? Attends. Attends, j'en ai 500 là. Déjà, ça. Hop, procédé solvé. Ça. Ça me demande combien en tout? 500 de charbon. Bah voilà. Lampadaire à gaz. Ah, je n'exporterai plus de charbon. Mais j'aurais des lampadaires à gaz. Ah bah les gars. Au bout d'un moment.
savoir ce qu'on veut. Hein. Moi, je veux des lampadaires à gaz. Bon, il m'importe plus de verre, ok. Oh non, on a un ennemi. Oh, moi, je veux bien t'aider, hein, écoute. Il faut me proposer un petit truc, quoi. Et c'est ta trêve. Une petite proposition sympa, quoi. Après, à toi de voir. On a moins 40. C'est long. Première route. Oh là là. Ouais, ils ont pris la capitale, ça y est, ça devrait pas tarder. S'ils la perdent pas. S'ils perdent pas la capitale, ils devraient bientôt avoir gagné. Bon, tout ça pour ouvrir le marché. C'est pas ouf, hein, j'aurais demandé plein de trucs moi à la place. Tellement de pays à libérer. Ok, neutralité, neutralité, neutralité. Alors. On a l'exclusion culturelle, voilà, on a fait un grand pas en avant. On a moins de radicaux par émission du niveau de vie, on a plus de loyauté. On a gagné beaucoup là au niveau stats. On a vraiment bien gagné au niveau des stats. Ça on s'en fiche, ça je m'en fous, ça je m'en fous, ça je m'en fous. Les Junkers, ils reviennent au pouvoir, ça c'est marrant ça. Ils reviennent bien. Ils reviennent imposants. Par contre, Bismarck, il a disparu. Sans blague, je sais pas où est-ce qu'il est passé. Il est pas dans les bunkers. Dans les. Ah, quoi? Il est dans les Junkers? Dans les bunkers? Comment ça, il est dans les Junkers, il était dans les forces armées. Ah mais non, je l'ai promu en... dans les Junkers, c'est vrai. C'est pour ça. Écoute, Bismarck, quel âge as-tu? 33 ans. C'est bien. Ah non, j'ai rien d'autre à dire. Du charbon. On exporte un paquet, mais surtout on utilise beaucoup plus. Donc on va refaire 5 en Silésie. Et 5 en Saxe. Voilà. Alors, pacte diplomatique. Ouais, j'ai toujours pas de. Merde, pardon. C'est pas ça que je voulais faire. On va essayer de les refinancer, peut-être que. Peut-être que ça remarchera. Parce que là, ça faisait un moment quand même que je les finance. Ouais, ça fait un bon moment que j'ai commencé à les financer. Le PIB il augmente. Doucement, mais sûrement. Grande-Bretagne qui a bien augmenté son PIB. Hein. Triche qui est un peu au-dessus. Ouais, on va encore faire remonter à fond ce PIB. Ok. Une population qui est pas loin des 20 millions. Ouais. Ouais. Et j'ai pas envie d'être trop agressif, là. Ça se passe bien. On va vraiment jouer très très diplomatique tant qu'on n'a pas la grande Allemagne quoi. Après par contre on va foncer dans le tas. Après oui effectivement ce sera pas pareil. Liberté de conscience c'est impeccable. Ça j'aimerais bien choper, non ça veut pas. Code public ça c'est cool. Là et là, ouais, là on pourrait faire non-interventionnisme, je sais pas. Qu'est-ce que ça me donne? 5% du taux de prêt, ok.
Contribution au fonds d'investissement des capitalistes. Ah ouais, c'est très capitaliste. Non, bah, je vais rester sur l'interventionnisme pour l'instant. Parce que j'ai pas une force. J'ai pas une force industrielle qui est extrêmement grande. Et je sais même pas en vrai si ça c'est des capitalistes. Ouais, tout ça c'est des capitalistes. Mais j'en ai une bonne partie qui sont aussi commerçants, des employés, des religieux, etc. Et là c'est capitaliste tout ça, ouais. En vrai je pourrais, mais on va voir un peu. Je préfère voir la manière dont je vais tourner le pays avant. En attendant, le PIB il augmente, ça c'est tout ce qu'il me faut. Pas chercher plus loin pour l'instant. Ils veulent restaurer la suprématie. Non. Hors de question. On est en censure, ça c'est dommage. Le droit de réunion, il pourrait être pas mal. Ouais, vous voulez m'apporter du soufre, mais. C'est pas facile usage. Hop, on va rajouter deux niveaux à mon usine de moteur. On est comment en réserve d'or, on est bien. Bon, et l'Espagne, voilà, on a l'obligation. On va cesser de financer. Et à la place, on va faire du secteur de construction 3 en Prusse occidentale. Voilà. Là on a une bonne baisse des radicaux, c'est cool. On a une augmentation des loyalistes. Là on est en 34, encore 15. Après en soi c'est 7 par an quoi, de 3 ans encore quoi. Mais... sûr, il m'a encore en rivaux quoi. Mais ouais, il m'a encore en rivaux. Allez les gars, faut passer à autre chose là. Je vois pas comment plus améliorer nos relations. Hein. T'es ami avec quelqu'un en particulier Algérie, Brême. Avec les Lucs, machin. Ah, tu sais quoi, je vais même augmenter mes relations avec Cracovie et tout, pour la peine, tu vois. Je pense voir que tu t'entends bien avec. Donc, si je m'entends bien avec, et que tu t'entends bien avec, peut-être qu'on s'entendra mieux entre nous. On sait jamais. Les prix sont... Ah ouais, mais en fait, ouais, j'exporte tellement... Bon, pas ça, pas de fer, mais j'exporte tellement autre chose, en fait, que les prix chez moi, ils sont abusément gros. Ouais. Waouh. Ah ouais, non mais... J'exporte les... Presque les trois quarts de ma production d'explosifs, là. J'exporte plus de la moitié de... Non bah ouais. Ok, d'accord, c'est pour ça. Alors, repartir faire du fer en posant aller plus 10. Ouais, je me suis trompé quand j'ai fait ça. Hop là. Allez l'Autriche. Allez, moins 31. Allez, plus que 12. C'est une course contre la montre, parce que s'ils forment la Scandinavie, ils vont embarquer ces deux territoires-là, et j'ai pas envie. En plus, on commerce ensemble. Tu peux pas me faire me déclarer en tant que rival. Minimum de moins 20. On va refaire ça. Voilà.
On a recréé 4 autres secteurs de construction, ça a bien accéléré. Et ensuite, il me faudra un peu d'argent de côté. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai le budget là qui est. Hop, ouais. Je pourrais augmenter les salaires gouvernementaux, plus d'autorité, plus d'approbation. Plus 12 000, allez. Et pareil pour les salaires militaires, plus 10 000. Hop, allez, voilà. On peut créer encore. Ouais, non, ça vaut pas le coup. Soulève mon paysan indo en oriental néerlandais, ça m'intéresse pas. Ouais, je voulais monter un, enfin créer un impôt de consommation, mais bon, pour les vêtements de luxe, ça me rapporterait tellement peu. C'est un peu pareil. Bon, alors le verre aussi, c'est un petit peu mieux que tout à l'heure, mais c'est pas fameux quoi. Allez, ça, on y est presque, on y croit, allez, s'il te plaît. S'il te plaît, le jeu, fais-le. Voilà, un petit peu en négatif, en solde, c'est normal. Compagnie d'un soutien le pays, un coup diplomatique, sous le monde, mon machin. Ouais, il doit y avoir un soulèvement là. Sacré soulèvement, il reste plus grand-chose des Indes orientales néerlandaises. Et sacré soulèvement. On va pas y aller. Pays-Bas propose une obligation. Non. Non, non, non. Je veux pas prendre de risque. Non. On va pas prendre de risque. Faut savoir. Il faut savoir faire attention par moment, et je pense que là c'est un des moments pendant lesquels je dois vraiment faire attention. En Westphalie, je vais faire deux voies ferrées. D'ailleurs, je pourrais partir sur les wagons en acier. Ouais, neutralité, neutralité. Tac, 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 tac. Le Siam, là c'est le Perak, l'Anfang, Compagnie des Indes Orientales, ok. Ça fait beaucoup là. Tout ça pour une pour un soulèvement. C'est bien, on a la population qui augmente petit à petit. Doucement mais sûrement, comme on dit. Est-ce que j'aurais pas besoin de me voir un peu plus de bureaucratie par contre? C'est la bonne question. Je vais voir, ils sont combien? Ils sont 36 millions. Ah oui, bonne petite population là quand même dans le coin. Ah vache. L'Autriche a déclaré l'État numérique comme son pays rival. Ah. Est-ce que. Est-ce que il m'aurait retiré de rival? Non. Bon, il en a rajouté un troisième. Zut. Ah. Hanovre a cessé de me. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. On va financer. On va refinancer Hanovre en urgence. On va essayer de rechoper une obligation ou au moins assez de relations avec eux. Alors, ok. Ok. C'était pas prévu ça. C'était pas prévu du tout. Le fer et les outils sont chers. Alors, le fer, ça va être réglé. Les outils. Les outils. En S. Allez, en S. On va en faire 10 en S. La bonne question, c'est. Je n'aurai pas assez d'infrastructure. Allez, hop, 8.
On est en 1850, en juin 1850, il va pas falloir tarder à former l'Allemagne. Ça fait 14 ans, et c'est quoi, on va faire une petite save. Hop, quatrième, je crois. Bizarre, pourquoi on perd tant d'argent que ça au fait? Il me semblait qu'on était à plus. Ouais. Attends, j'ai un pacte diplomatique avec qui me rapporte? Hohenzollern. Ah oui, d'accord. C'est eux là. Un peu de capitation, un peu de consommation, ouais, forcément. Ah oui, mais non, mais. C'est parce que j'ai baissé à fond les impôts et j'ai augmenté à fond les dépenses nationales. Enfin les salaires quoi. Salaires militaires et gouvernementaux. Mince, j'avais mis en pause. Voilà. Bon, on a 51% de taux d'alphabétisation, ouais. C'est pas mal. On est loin devant Belgique. Derrière, je veux dire Belgique, Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse? Ah ouais, ils sont encore là. Suède, Bavière, Bade, Suisse. Ah moi quand j'aurai la Bavière et la Bade, ça va me faire augmenter. Le Wittenberg, pareil, la Nièvre. Ça me fait augmenter mon taux d'alphabétisation, tout ça. Un peu plus tard. Contre les Kikuyu, c'est ici. Hein. Ah ouais, je vous comprends les mecs. Hein. C'est pas cool ce que je fais. Mais bon, bah à l'époque c'était comme ça quoi. Eh mais pourquoi je perds 20 000 là d'un coup? C'est des dépenses en plus, machin, je sais pas là. J'ai perdu là, 13 000 en quelques temps là. Enfin, j'ai gagné 13 000 de plus par tour, par semaine en quelques temps. Et là, je vois pas pourquoi j'en perds beaucoup plus. C'est étrange. Ah, l'Autriche a mis fin à sa rivalité. Alléluia. Alors, on va voir, ça augmente vraiment beaucoup plus. Alors, on va aller sur le 21 novembre. Ok, 21 novembre. La prochaine augmentation. Le 21 décembre. Ah ouais, ça met à peine plus d'un mois, là où c'était un gros mois de nuit. Hanovre a une nouvelle obligation envers nous. Donc qui dit obligation dit... dit elle devrait nous soutenir incessamment sous peu. Hein. Oh mince, l'Oldenbourg il s'est barré aussi, je l'ai pas vu. Profit de guerre, ah bon? Faut pas avoir honte de notre savoir-faire, hein. Écoute, surtout quand ça nous rapporte du fric. Je veux pas être méchant, mais bon, ça me rapporte beaucoup de fric. Hein. C'est pas que je veux pas, hein, mais. Hanovre. Hanovre nous soutient, de nouveau. Donc on va cesser de financer.
On va financer l'Oldenbourg. Voilà. Alors on va s'arrêter très bientôt pour l'épisode. Voilà, je veux juste que nos relations avec l'Autriche passent à neutre. Voilà, donc je vous fais le speech de fin. Non, je vous fais le speech de fin après quand même. On n'est pas à 2 minutes près. Faut pas déconner. Le 3 mars. Ok. On est presque à égalité au niveau des loyalistes et des radicaux. Ça c'est bien. Ça. Oups là. D'ailleurs, est-ce qu'une réforme améliorerait le truc? Non. Pas non plus. Ok. Ah, j'aimerais bien avoir ça quand même. Forces armées. Ouais. C'est quoi? C'est de les renforcer, on va renforcer la place. Voilà. Ça aidera. Allez, avec l'Autriche là. Hop. Non, je l'ai fait trop tôt. Hop là. Voilà, on est neutre avec l'Autriche, donc on peut. Putain. Pardon. J'avais oublié. Bon, ça, on va. Hop, cesser d'améliorer les relations. On peut toujours pas? Non. Bon. Cesser d'améliorer les relations et on va commencer à financer. Voilà, on peut les financer. Bon, j'aurais bien aimé faire les deux en même temps, mais ça me coûte 300 d'améliorer les relations avec l'Autriche. Et je peux les déclarer comme rivaux, hein, franchement. Ouais, ils m'ont embêté tout à l'heure. Hop, et là, je peux commencer à améliorer. Ce qui fait que là, on a une augmentation. Vous allez voir, là, c'est rapide. Allez, progrès le 20 mars, et on va voir en combien de temps ça fait une augmentation. Voilà, donc 20 mars à 6 avril, oh, 15 jours. On est passé de plus d'un mois, enfin on est passé de un gros mois et demi à plus d'un mois à 15 jours. Ça fait plaisir. Voilà. Et dès que j'ai une obligation de la part de l'Autriche, ça coûte cher. Ouh, j'ai pas vu. Oui, j'ai pas vu. Dès que j'ai l'obligation de la part de l'Autriche, bah on va dans culture et on forme l'Allemagne. Oh la vache, attends, mais il coûte une blinde. 54 300. Ah bah, maman coco. Bon, eh ben, on va s'arrêter ici sur l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, bah, j'espère qu'il vous aura plu. On a bientôt terminé, on est bientôt à la formation de la Grande Allemagne, très probablement le prochain épisode ou le prochain épisode, enfin celui d'après quoi, le prochain ou celui d'après. Allez, j'espère que cette série en tout cas vous plaît autant qu'elle me fait kiffer. On se retrouve tous les lundis, les mardis, les jeudis pour les let's play, donc on continue ce let's play donc à 11h, tous les vendredis à 15h pour les épisodes de let's play narratif et mercredi ou le week-end pour des épisodes un peu spéciaux. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi, c'était Thiob. Ciao.